Trois heures d'épreuve de français attendent les 97 élèves de 3e du collège Jean Jaurès de Sarreguemines ce matin, comme dans tous les collèges de France. Examen de fin de collège et surtout premier examen pour ces élèves. Et qui dit examen, dit préparation. Alors ils ont été préparés, ils ont eu effectivement un brevet blanc. Hein, et puis après ils ont eu des devoirs en commun, des devoirs type brevet qui ont été faits par, je dirais, les enseignants des matières concernées. Moi j'ai pas mal révisé quand même, enfin j'ai surtout relu, j'ai rien appris par cœur parce que j'y arrive pas. Et ça va être quand même un bon moment que je relis, pour être sûr quand même. Moi j'ai révisé un peu pendant le week-end et surtout demain. Et j'ai surtout révisé les deux épreuves d'aujourd'hui. Ils sont plus de 855 000 à plancher cette année. Un examen qui pour certains n'est qu'une formalité, la moitié de la note finale étant issue du contrôle continu. Bah moi en vrai j'ai surtout hâte de savoir sur quel sujet ça va tomber. Je suis pas tellement stressée que ça parce que je sais que de toute façon je l'ai déjà. Je joue juste la remarque en fond, donc ça va. Moi aussi je suis un peu stressée mais c'est aussi pour la mention que je fais. Bah moi je pense que je suis un peu stressée mais je pense que je l'aurai. Et toi ? Stressée mais confiante. Le marathon du brevet a donc commencé, la journée va être longue. Après le français, ce sont 2 heures de mathématiques qui les attendent dans l'après-midi. Vendredi, ce seront histoire, géo, sciences et langue vivante étrangère. L'examen comprend aussi une épreuve orale déjà effectuée. Alors demain soir, pour tous les élèves de 3e, de Sarreguemines et d'ailleurs, c'est la quille.